ズレズレなるままに日暮らし硯に向かいて Ouais les gars, comment ça va? Salut à tous, c'est Seiko Domingo. Aujourd'hui on se retrouve après un long moment pour un petit live. Ce Genshin Impact. On va faire des invoques. On va faire des invoques et c'est énorme ce qui se passe. Mais ça va être des micro-invocations parce que j'ai pas envie d'avoir une 5 étoiles. Hein, je veux pas Sinnoh, pas du tout. Et avant tout, regardez à quel point cette nouvelle zone est incroyable. Pas magnifique. Je vais juste vérifier si on m'entend, parce que si on m'entend pas, c'est un peu con. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je prends la qualité jusqu'où ça va. 720p. La vraie 720p. Ok. Ok, bah en vrai c'est pas mal, hein. Je teste là, live PS5 là. Pas mal, hein? Bon alors, avant tout, parce que là je vais pas mentir, je stresse un peu, ça fait longtemps que j'ai pas invoqué là. Puis moi j'ai. Mon historique, j'ai pas de luck de fou. J'ai pas de luck de fou ce Genshin, donc donc voilà. Dernière invocation, c'était quoi? Bah tu sais quoi, on va voir de son. On va devoir voir mon historique pour tout simplement pour bah voilà, voir où j'en suis dans l'appétit, parce que je le rappelle, mais moi je veux pas Sinnoh. Bon, si je l'ai, ça me dérange pas, on va dire. Mais moi, mon but après, c'est d'avoir Nidhoof sur la seconde partie de la mise à jour, en 16 jours donc. Mais là, si j'invoque, c'est juste pour avoir Kandas en fait, hein, parce que Kandas, je la trouve stylée. Puis un perso d'eau, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, comme on dit, je sais pas. Je l'ai même pas testé pour te dire. Non, d'abord on va tester les persos, ouais. On va tester Sinnoh, parce qu'au cas où, hein, sait-on jamais, je l'ai, hein, ça se trouve. Parce que là, je suis déjà un peu avancé en vrai dans la pitié. Je suis pas au tout début. Je crois que j'ai fait une multi sur pas le portail juste avant là. Non, enfin, non, je crois sur le portail de Dignary, je suis plus sûr. Bon. Ah, il est pas mal stylé aussi, on va pas se mentir. On va pas se mentir, j'aurais bien voulu, mais voilà, je préfère en vrai. Nidhoof m'intéresse plus, et même après Nidhoof, j'économise pour avoir Raiden qui est en rerun sur la 3.3. J'ai déjà un Raiden, mais pour une constellation. Ah, oui, c'est vrai qu'il se transforme. Putain, ça, c'est vraiment stylé. Charge vite, ça se paie. Oh là 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 là. Ah, quand il est en comme ça, c'est incroyable. Hein. Ah, même sa compétence en E, il change quand. Quand il est en mode. Avec son armure là. Ok. Bon, évidemment, Sinnoh classe, la giga classe. De toute façon, tous les persos électro, c'est la giga classe dans Genshin. Les best. Ensuite, Venti. S'en branle. On va tester Kandas. Venti, on connaît. Je sais pas le faire là.
Ah, attends, parce qu'elle, elle a un système de contre. Un peu à la manière d'une Beidou, j'ai l'impression, non? On va tester ça. Elles sont en... Ok. Ouais, y a pas un délire en mode là elle a des attaques de glace si je mets du dendro. Non, je sais plus. Ah, je comprends pas. Ouais, bon, elle pique de l'eau quoi. C'est quand même très différent de Beidou finalement. Enfin, c'était long. Bon, écoutez, rien compris. Rien compris du perso, mais je le veux quand même. Alors, on va invoquer. Hein. Avant ça, historique. Ah, ça fait con. C'est quoi, ça fait 8 minutes, on est là, on fout rien. Alors, on va remonter à la dernière 5 étoiles que j'ai eu. Kazuha. 5, 10, 15. Donc on est d'accord, on est à 15. Ouais. Ok, 15. Bah écoutez... on va y aller, hein. Quoi? Mais tu te moques de moi, satané Albert Einstein? Oh! Mais quoi? C'est la meilleure invoque de ma vie, what the fuck? What the fuck? Oh la multi de zinzin! Oh Jean Gessino! Oh la 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 la! Non, là c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Ça c'est la miniature. La miniature du live, c'est énorme. Ouah, c'est la première fois qu'il m'arrive une telle dinguerie dans Genshin. Non. Ah, j'ai juré. Ça fait trop plaisir. J'étais à 15 de pitié. Alors attends. Où est Sino? Mais qu'est... Non, en vrai, je suis choqué de vrai. Vrai de vrai, je suis choqué. Oh. Là, je viens totalement Zinzolibar là. Hein.
Ah, il faut ça pour le monter. Ah, il va falloir que j'en trouve parce que je viens de commencer la map là. Je viens de commencer le désert. Bon. C'est quoi le boss? Je sais plus. Ah, l'arbre. Ok, ruine des déserts de Sumeru. On va voir c'est où ça. Putain, c'est énorme. Putain, la musique elle est cool. Hein. Alors, les ruines. Je sais pas. Je crois pas que je les ai débloquées. Hein. Je crois que c'est là-bas. Y'a pas écrit? Ostelec. Désert hypostyle. J'en ai aucune idée c'est où. Après dans mes souvenirs, ouais j'en avais chopé un des scarabées. Les deux autres on les a eu bah, sur le truc des tests ici. Ah oui c'est vrai j'ai pas ramassé d'ailleurs le truc de Candace. Merde. Satané Albert Einstein. Ah là là, je suis quand même à mort content, vous imaginez pas. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive, un truc où j'ai un mort de chatte comme ça d'un coup là. Donc Candace, elle est... On va la monter aussi. Ouais, j'ai déjà pu. Comme la montée niveau 40. Puis après. Le reste, bah, il faudra la monter, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Ah, c'est vrai que on a une constellation sur. Sur Colay. Même pas il lui faut quoi comme artefact faut que je regarde je m'attendais tellement pas de l'avoir là que ça là, je suis un peu choqué là je vais pas mentir un dendro cubus putain quel live de zinzin bah ça fait plaisir bah écoutez j'ai pas rallongé le truc hein, plus que ça hein. Je pense que j'ai exploré le désert un peu de mon côté. Mais en tout cas, bah écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'à là, bah écoutez, merci beaucoup. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour un autre live de Genshin Impact. Voilà, allez, au revoir, merci. Et merci surtout, hein. Et au revoir.